Bonsoir, donc je fais cette petite vidéo pour répondre à un post que j'ai vu sur un des groupes Facebook où la personne semblait contester l'utilité des places de marché comme Amazon, comme enfin, toutes les places de marché qui sont chères. Moi, je le rejoins sur un point, c'est cher, oui, mais pourquoi est-ce que c'est cher et pourquoi est-ce que je trouve que c'est incontournable? Donc quand on a notre petit site e-commerce, attendez, je vais être obligé de faire ça à chaque fois. C'est pas sur mon PC, donc c'est un petit peu le problème. Donc quand on a un site internet, on est tout seul dans la nature, on est là comme ça. Admettons qu'il est dans une ville. Hop. Donc on est dans une ville et notre site internet, il est là. Donc il va falloir mettre des panneaux d'indication pour diriger tout le monde vers là. Tout ce petit monde qui est qu'on ne voit pas à côté, là, plus en bas et tout. Il va falloir diriger tout le monde vers là. Et c'est pas parce que les gens vont passer, venir nous voir, qu'ils vont acheter. Mais il va falloir poser des panneaux indications. Il va falloir faire de la pub radio, il va falloir. Donc c'est pareil, sur votre site internet, il va falloir aussi faire de la communication internet. Et c'est pas gratuit. C'est comme une boutique en ville. Il va falloir amener du monde à votre site. Alors que quand on a une place de marché, quand on a une place de marché, le principe c'est quoi? Eh ben les gens ils viennent. Tous les gens qui. Attends. Je vais essayer de faire ici. Voilà. Tous les gens qui sont du village, ils savent que la place de marché, je sais pas moi, elle est là. Il n'y a pas besoin de panneau indicateur, il n'y a pas besoin de poste radio. On sait que c'est tous les jeudis, tous les mercredis, enfin on s'en fout. Chez moi à l'Oudéac, c'est tous les dimanches, tous les samedis. Hop, il y a une rue qui est bloquée, il y a tout le monde qui vient. Donc, l'avantage de ces places de marché à l'ancienne, bah c'est que tout le monde venait pour voir le marchand de ceci, le marchand de cela et tout. Et là, il n'y a pas besoin de faire de pub. Vous êtes là, automatiquement, vous faites des ventes. D'où l'intérêt de la place de marché. Vous payez à l'ancienne, vous payez votre emplacement. Maintenant, sur les places de marché Internet, Amazon, Cdiscount, j'en passe de belles et des moins belles. eBay, donc vous payez des frais, mais ça vous donne une visibilité qui est quand même assez correcte. Hein? Les places de marché, ça va vous apporter du monde qui vont passer, qui vont regarder un petit peu votre boutique. La marketplace peut vous mettre en valeur, présenter un de vos produits et tout. C'est quand même des avantages. Hein? C'est un peu comme dans la vie réelle quand vous allez à un troquet-puce. Ça vous viendrait pas à l'idée de mettre un stand de troquet-puce au milieu de la. Attendez, que je récupère mon image. Voilà. Admettons que le centre de c'est le là où est-ce qu'il y a le troquet-puce, ça vous viendrait pas à l'idée d'aller vous mettre votre stand ici. Hein? Vous iriez là où est-ce qu'il y a à mettre le troquet-puce. Donc la place de marché, c'est pareil. Ça vous apporte une visibilité qui n'est pas, moi je dis, c'est une visibilité qui n'est pas négligeable. Ok, vous payez. Il y en a certaines, ouais, vous payez un peu plus. Je ne vais pas faire le pour et contre, quelles sont les places de marché, mais voilà pourquoi est-ce que vous payez. Vous payez pour être visible. Vous payez pour la visibilité que vous offrent ces places de marché. Et au lieu d'aller poser du Google Act, du Facebook Act, parce que si j'ai bien. Moi, j'y connais rien dans le dropshipping, mais alors sur Facebook, il faut. Faire une première campagne de sensibilisation, une campagne de séduction et puis après une campagne d'achat. Voilà. Moi je fous tous mes produits sur la place de marché et puis
ça se passe et voilà. Bon, enfin, je fais du RA, de l'arbitrage, achat en magasin, pour ceux qui se posent la question. Alors, je fais pas du private label, mais bon, ça c'est. Mais même dans les deux cas. Donc voilà, messieurs, dames, la vision que j'ai, moi, de la place de marché et pourquoi, malgré que c'est cher, je reconnais, ça pourrait être moins cher, merde. Mais bon, quand on voit les services qu'on a, donc à partir d'aujourd'hui, ceux qui pourront critiquer les places de marché, je vous invite à leur donner la vidéo. Ça les empêchera pas de critiquer, mais au moins ça leur donnera peut-être une vision différente. Sur ce, je mets en boîte et j'expédie. Bonne soirée.